y a quelque chose. Vous n'auriez pas trouvé cette pierre à aiguiser, par hasard? On a trouvé la pierre à aiguiser. Oh, magnifique! Oh, quelle drôle de tâche! Les pillards ont enfoncé le crâne d'un des leurs avec. Oh, merveilleux! Tenez, votre récompense. J'ai hâte d'essayer cette nouvelle pierre. Elle ne paye pas de mine, mais je sens presque la magie crépiter en elle. Il m'en fallait une nouvelle depuis que mon frère a emprunté la mienne. Je l'ai vue cracher dessus. « Va lubrifier !» il m'a dit. Je lui ai dit qu'il pouvait la garder. Si je puis me permettre. Pensez à vous laver les mains. Tu es sacrément gâté.
Ils étaient tous dans son équipage. Ils avaient pas l'air très amicaux. Et il était responsable de chacun d'entre eux. Ça fait beaucoup de responsabilités. Ça te fait peur? Les responsabilités. Oh, non. Je crois pas. Enfin, avant, si. Mais plus maintenant. Pourquoi ça? Eh ben, à force de voyager. Avec toi. J'ai l'impression d'avoir grandi. Les brasiers de Tyr, le symbole de la lumière qui unifie les royaumes. Mais pourquoi utiliser ces sortes de runes? Maintenant que tu le dis, c'est étrange. Ce qui est arrivé aux membres d'équipage. Commander autant d'hommes. Il a gagné leur loyauté, ils l'ont suivi. Et ils sont tous morts. Ça devait pas être un bon capitaine. Pourquoi dis-tu ça? Eh ben, il a mené tous ces hommes à leur mort. C'est vrai, mais ils ont choisi de le suivre. Même les bons chefs prennent de mauvaises décisions, mais les meilleurs les assument. Souviens-toi de ça. Mes hommes. Non, c'est bon. On les a tu... On leur a accordé le repos. Je vois. Alors même dans la mort, j'ai échoué. Mais tu as mené une vie honorable. Tu étais déterminé et tu inspirais la loyauté. Ce sont des qualités remarquables.
n'est-ce pas, mon garçon? Oui. Je revenais pas du nombre d'hommes qui vous ont suivi ici. Je vous remercie pour ces paroles. Puisse votre voyage connaître une fin plus heureuse que la mienne. Ben, t'avais raison. Il avait pas l'air très content. Je suppose qu'on se remet jamais vraiment d'avoir perdu ce qu'on aime. Non, jamais. Qu'est-ce que l'esprit nous a laissé? Une offrande pour un des dieux. On peut s'en servir? Non, mais les nains peut-être. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur cette montagne, mais depuis quand les morts reviennent sans cesse à la vie? Une petite résurrection. Freya a dit qu'il y avait un déséquilibre dans le monde, et que quelqu'un avait perturbé ses forces. Oh, c'est évident. Et Odin est le roi des perturbateurs. Mais je tremble en pensant à ce qu'il a fait pour causer ça. Ça implique peut-être les Valkyries. Ils joueraient un jeu dangereux dans ce cas. Brock, tu veux bien regarder ça? Qu'est-ce que tu as pour le vieux Brock? Tyr aurait été heureux de savoir que ces offrandes serviraient à fabriquer une armure. Tu l'as connu? Comment il était? Aucune importance, petit. Tyr est mort. Laissons-le passer où il est. Le nain a raison. Pour une fois. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois? Prudent, non. Allez, je serai là s'il y a besoin d'autre chose. Atreus, ici. Oui, père. Qu'est-ce que vous voulez encore? On a trouvé votre fils. Lui aussi a été trahi. Et on a trouvé une partie de son journal. Il disait qu'il regrettait de vous avoir tué. Ça me fait une belle jambe. Comment est-il mort? En se battant, j'espère. On a trouvé 4 corps près du sien. Ils avaient été décapités. Ha! Vandrid gardait toujours son épée bien aiguisée. C'est moi qui lui avais appris ça. C'était un meurtrier et un traître. Mais je suis content de savoir qu'il est au Valhalla. Merci. On a fait une bonne action. Je suis content qu'on soit venu ici. Ce voleur ne méritait pas la paix que tu lui as accordée. Peut-être. Mais ça fait du bien d'aider les gens. Même s'ils sont morts. On croirait entendre ta mère.
de plus en force.